Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Discord et Jitsi, Jitsi et Discord, mais qu'est-ce qu'il me chante là? Il est encore bourré le belge, qu'est-ce qu'il a bu? Non, rappelez-vous, Blabla Linux possédait son serveur Discord, hein, qui fonctionnait. En fait, non, je vais être honnête, il fonctionnait pas très bien alors que. Je pense sincèrement que de tous les serveurs Discord, on va dire orientés informatique libre, c'était celui qui comptait le plus de membres. À un moment donné, je pense qu'on arrivait à 100. Si mes souvenirs sont bons, pas loin de 150 membres. C'est quand même pas mal. Sur peu de temps, hein, sur 2 mois. Maintenant, sur 150 membres, bah, il y avait. 10-15 personnes qui étaient là régulièrement. On peut pas dire que c'est un serveur qui marche. Je me suis dit, il marche pas, on arrête tout. Et puis là, je me suis dit, l'outil Discord est quand même un chouette outil. Pourquoi pas relancer un serveur Discord? Surtout que je me suis fait une promesse. Et quelle est-elle cette promesse? C'est de moi-même y aller plus. De clavarder plus, mais d'être présent vocalement, je vais pas dire tout le temps, mais au moins une fois par semaine, réserver une soirée et être là. Et si je suis là beaucoup plus sur la semaine, tant mieux. On va dire qu'une fois par semaine en soirée, je réserverai au moins 1 heure, voilà, où je serai là. Mais sinon, je peux très bien quelqu'un là sur le Discord, j'ai 2 minutes, hop, m'y placer vocalement. Ça, c'est la première chose. Et le serveur Discord, il est prêt. Oui, il est prêt. Jitsi, je vais vous en parler ensuite. Allez, go pour le serveur Discord. Sacrilège, il est sur système Hot Windows. Allez, alors, on remballe. Non. Assez déconné. Là, on est actuellement sur le groupe Facebook Blabla Linux, pas la page, le groupe. Et le groupe, lui, il est privé. La page est publique. Donc, je suis sur le groupe, je me rends sur la charte du groupe, la fameuse charte Blabla Linux. Alors, ceux qui ne la connaissent pas, ben voilà. Voilà à quoi ça ressemble, la charte, hein. Serveur Discord, on va s'y attarder. Voilà. Donc je remonte, voilà. Le serveur Discord, ce dernier est privé. Comment ça? Oui, le groupe Blabla Linux est privé, donc le serveur Discord, puisque ça va être le serveur Discord du groupe, eh bien, lui va être également privé. Il va être réservé uniquement aux membres ayant intégré ce groupe depuis 30 jours minimum. Et oui, c'est pour parer aux trolls. Pour y accéder, ben vous faites une demande à Adrien Bison ou à moi-même, à Maurice Libert. Comment? Simplement en vous rendant sur l'un des deux profils, donc Adrien ou à Maurice, et en utilisant le bouton message en haut à droite. Ensuite, après avoir vérifié que vous êtes bien membre de ce groupe, et ce depuis un minimum de 30 jours, eh bien vous recevrez un lien à utilisation unique. Donc c'est pas dur. Vous êtes sur le groupe Blabla Linux depuis belle lurette. Oh là là, ça fait beaucoup plus que 30 jours que vous êtes membre. Vous vous dites, ben moi je vais faire une demande. Soit vous tombez sur Adrien Bison ou moi-même, hein, dans le groupe, via un commentaire, ou alors ben vous vous dites, moi je vais me rendre en membre. Voilà. Ah voilà les administrateurs et modérateurs. Mais je vais envoyer un petit message à Adrien et lui demander, voilà, et lui demander un lien. Il va vérifier si vous êtes bien membre depuis plus de 30 jours. Et si c'est le cas, vous recevrez un lien. Si c'est pas le cas, il vous dira gentiment, bah écoute, désolé, il faut que tu patientes. Voilà. Ok. Donc, je me rends de nouveau sur la charte parce que je n'avais pas fini. Je descends, je descends. Alors, si vous deviez être banni de ce groupe, vous seriez dès lors directement banni du serveur Discord et inversement.
Voilà, ce sont des règles sur lesquelles on ne transigera pas. Petit rappel, ce groupe est privé. Tout ce qui est publié ici doit rester ici. C'est la même chose pour le serveur Discord. Tout ce qui est publié sur ce dernier ne doit pas partir ailleurs. Voilà, quand un groupe est public, il n'y a pas de problème à la limite. Quand un groupe est privé, on respecte la privatisation du groupe et donc ce qui s'y trouve. Même chose pour le serveur Discord. Il y a des serveurs Discord publics, ici c'est un serveur Discord privé. Ok. Pourquoi de telles règles? Ben justement, je le dis clairement, il y a certaines personnes que je ne veux pas avoir. Voilà. Donc je me suis dit, ben voilà la solution. Il faut être membre de Blabla Linux, donc du groupe, depuis plus de 30 jours. Et c'est seulement au-delà de 30 jours que les membres pourront faire une demande pour avoir accès au serveur Discord. Et même, admettons que ce soit même un troll, il se dit « Ah, c'est rien, je vais faire une demande sur le groupe Blabla Linux, je vais patienter 30 jours, et puis je ferai ma demande pour aller sur le serveur Discord. » N'oubliez pas que c'est un troll, à un moment donné, il va vouloir faire chier son monde. Et là, ben, c'est rien, ben, il se fera bannir du serveur Discord et du groupe Blabla Linux. Voilà, donc dites-vous que ce serveur Discord, ben, c'est pour le groupe Blabla Linux. Ah, maintenant, hein, les membres qui ne sont pas de Blabla Linux peuvent accéder au serveur Discord, mais alors ils vont devoir faire une demande pour accéder au groupe, et seulement au bout de 30 jours, ils pourront donc faire une demande pour pouvoir avoir accès au serveur Discord. Ok, alors ce serveur Discord, je le veux convivial. On va là ben, pour se détendre, pour parler. Si on veut parler d'informatique, ben, c'est clair qu'il est là pour ça, mais on peut parler de tout ce qu'on veut. De tout ce qu'on veut. Alors, il y a déjà eu un serveur Discord, hein, et je dois dire qu'au bout de 2 mois, j'avais atteint 150 membres, hein, mais ce n'est pas le nombre de membres qui fait qui prouve qu'un serveur Discord marche. J'avais 150 membres sur ce serveur Discord, et pourtant, seulement entre 10 et 15 étaient actifs. Voilà. Et avec tout ce qui s'est passé sur le serveur Discord de certaines communautés, je me suis dit, même si j'avais pas trop de soucis, je me suis dit j'arrête. Et puis le temps a passé, je me suis dit c'est dommage, c'est quand même un formidable outil. Donc ben, j'ai recréé un serveur Discord, mais en bridant au maximum l'entrée. Alors on va aller voir à quoi il ressemble ce serveur Discord. D'ailleurs, on peut déjà voir, voilà, hein, quelques petites images. Voilà. Donc, le serveur Discord, ce n'est pas dur, il est ici. Yeah. Ben voilà. Alors, c'est ça qui est pas mal, c'est que Discord, on peut l'utiliser via son navigateur préféré. Vous aurez accès à quasi la totalité des options, mais pas à toutes. Et non, vous allez pouvoir clavarder, vous allez pouvoir parler vocalement via votre navigateur. Ce que vous ne pourrez pas faire, c'est faire de la visio. Donc utilisez votre webcam et du partage d'écran. Voilà. Voilà comment se présente le serveur Discord Blabla Linux. Salon clavier, général, news, distribution, environnement, logiciel, serveur, virtualisation, jeu, matériel, YouTube, Facebook, macOS, Windows, sondage. On continue. Suggestions. Administration. Et alors on a les salons micro, comme je les ai appelés. Général, Linux, Life, Mut, Administration. Il peut encore avoir été modifié
il peut, voilà, je peux encore apporter des modifications à ce serveur entre le moment, entre maintenant, là où vous le voyez, et le moment où vous l'intégrerez, hein. Ok. Voilà, donc on peut l'utiliser via son navigateur web, ça c'est une bonne chose. Mais si vous voulez installer le client, mais vous pouvez installer le client. Admettons, voilà, je suis sous Linux Mint. Alors, si vous vous rendez dans Logiciel, donc le gestionnaire de logiciels, que voici, que vous faites une recherche et que vous faites Discord, vous allez dire, oh mais c'est génial, le voilà Discord. Mais attention, vous pouvez l'installer, voilà, mais c'est un Flatpak. Ce n'est pas Discord en provenance des dépôts officiels. C'est un Flatpak, donc en provenance des dépôts FlatUp. C'est pas grave, vous pouvez l'installer. Mais si vous voulez un paquet Deb à la place d'un paquet Flatpak, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, c'est pas dur. Vous allez démarrer votre navigateur. On va faire Discord de la zone de recherche. Voilà. Télécharger pour Linux, il y a une autodétection du système qui se fait. Je veux un point deb. Je vais l'enregistrer, moi. Voilà. J'ouvre mon gestionnaire de fichiers, qui est Nemo. Téléchargement. On peut voir mon point deb. Discord 0.0.9. Clic droit. Ouvrir avec l'installateur de paquets G2B pour GDebian. Si vous n'avez pas d'installateur de paquets deb, ben vous téléchargez G2B tout simplement. Patiente, patiente. Voilà, installer le paquet. Continuer. On s'authentifie. On valide par entrée. Enter. Year. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je n'ai pas montré. Voilà. C'est installé. Donc, ça veut dire que si je me rends dans le menu des applications, que je fais Discord, on peut voir que j'ai Discord qui est là. Je clique. Discord va se lancer. Et voilà. Et là, vous accédez à Discord, non plus via votre navigateur, mais via le client. Peut voir l'icône qui apparaît ici dans la zone de notif. C'est cool. Yeah. Détection du compte. Et là, voilà, il a détecté que je m'étais déjà connecté, donc via mon navigateur web à Discord. Et c'est vrai, regardez. Voilà. Donc il me dit, bah, écoute, tu veux continuer en tant que Annie Blabla? Hein? Bah oui, allez, on peut faire ça. Voilà. Yeah! Et c'est cool! Voilà. Pas mal, hein? Alors, ce que je ne vous ai pas montré quand même, hein, c'est comment se créer un compte. Alors, ce qu'on va faire, hein, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Non, non. Voilà.
une session invitée, on va faire google.be, voilà, on va faire Discord, voilà, voilà. Alors, ouvrir Discord dans ton navigateur, voilà, ok, entrer un nom utilisateur. Et vous entrez un utilisateur. On va faire, je sais pas moi, Super Honey 07 007. J'ai lu et j'ai accepté les conditions. Je valide. Je ne suis pas un robot. Tracteur. Allez, clac, 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 clac. Suivant. Vélo. Suivant. Et alors là, vous allez devoir. Bienvenue sur Discord, SuperAni007. Désormais, tout ce qu'il manque, ce sont tes amis. Prends un instant pour configurer ton serveur. Tu veux bien? Vous faites passer. Voilà. Enregistre ton compte afin de pouvoir conserver tes serveurs et tes conversations, même après avoir fermé ton navigateur. C'est important. Vous rentrez une adresse mail valide et un mot de passe et vous enregistrez votre compte. N'oubliez pas de vous rendre sur votre adresse mail et de vérifier si vous avez passé un mail pour valider. Un mail de validation. Ok ? Admettons, moi, je ne le fais pas. Alors, si je clique ici, créer un serveur ou rejoindre un serveur. Eh bien voilà, on va faire le test. On va faire le test. Vous êtes membre du groupe Blabla Linux depuis plus de 30 jours. Vous dites, moi je veux accéder au serveur Discord. J'envoie ma demande à Adrien ou à Maury. Qu'est-ce que je vais faire moi? Eh bien c'est pas dur, je vais faire clic droit. Non, attendez, je vais faire... Voilà. Faire comme ça. Expire. Jamais. Une utilisation. Voilà. Le lien n'expirera jamais. Où je peux faire. Je peux même faire le lien expirera dans un jour et c'est une utilisation. Bah ici je vais faire jamais et une utilisation. Générer un nouveau lien. Voilà, je le copie et je vous le donne. Et vous, vous allez cliquer sur rejoindre un serveur, vous allez coller le lien que je vous ai donné, vous faites rejoindre. Et vous êtes sur le serveur Blabla Linux et vous avez accès à tout. À tout directement et on peut voir que je suis SuperAni007. C'est cool, c'est génial. Voilà. Ok. Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant la deuxième chose, vous avez vu Jitsi. Ouais. Je vais juste remettre un peu d'ordre parce que ça devient le boxon. Ça devient le boxon. Donc, vu que j'ai pas créé de compte, si je ferme, tout est perdu. Alors, pour ma part, ce que je vais faire, je vais retourner sur le serveur Discord. Voilà. Et bien, voilà. D'ailleurs, il a disparu parce que si je fais ceci, paramètres du serveur, membres, ah non, il est là. Ben lui, on va faire... Expulser. Et voilà. C'est cool, hein. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, vous avez vu Jitsi. Jitsi, c'est quoi? Ben Jitsi, c'est génial. C'est la même chose que Discord.
Ça existe, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre navigateur web ou utiliser un client. Alors, Jitsi, on va se rendre sur Wikipédia pour bien comprendre. Jitsi est une application libre multiplateforme de messagerie instantanée, de voix sur IP et visioconférence. C'est ça qui m'intéresse, c'est voix sur IP et visioconférence. Ça, c'est le client Jitsi. Ok? C'est pas dur. Regardez, on va se rendre sur jitsi.org. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est Start Call. Voilà. Engrenage. More. Français. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Je compte faire des lives retransmis donc sur YouTube et sur la page Facebook ou uniquement sur la page Facebook ou uniquement sur YouTube, sur la chaîne YouTube, je ne sais pas encore. Mais c'est cet outil que je vais utiliser avec vous. Je dis avec vous parce que ce sera des lives Facebook dans lesquels j'aimerais que des tas de gens interviennent, aussi bien des gens qui ont des chaînes YouTube, hein, que des développeurs, que des membres faisant partie de Blabla Linux, que des membres faisant partie d'autres communautés. En fait, on s'en fout. On n'en a rien à foutre de où vous venez, de où les personnes viennent. On veut juste parler ensemble. Voilà. Évidemment, il y aura un sujet, il y aura un fil conducteur à chaque live. Ok? Et c'est cet outil qu'on va utiliser. Exemple, comment ça va se passer? Je dirais, ben moi, je ferai un petit sondage, écoutez, quel sujet, donnez-moi une idée de sujet. Hein? Quand j'aurai une idée de sujet, eh bien, je prévoirai un live et je dirai qui veut participer. Voilà. Mais il y aura un nombre limite de participants. Hein? On va dire maximum, je sais pas, 5, 10. Voilà. Quand ce sera parti, ben, voilà, je vais créer ma, on va dire mon salon de visio. On va faire AZERTY007. Je le crée. Autoriser. Et je vous fais coucou. Oh la tronche, bordel! Oh, la tronche. Et c'est un outil vraiment prévu pour ça. Alors regardez, voilà, j'ai le lien. Le lien, le voilà. Le lien, le voilà. Et je le donnerai aux personnes censées participer. Et je peux même attribuer un mot de passe, hein, à ce salon de visioconférence. Alors c'est vraiment prévu pour. Vous allez voir. On peut partager son écran. Voilà. On peut lever et baisser la main. Imaginez qu'il y aura ici 10 personnes. Une personne veut prendre la parole, ben il cliquera sur lever la main. Moi, je cliquerai et hop, il apparaît en plein écran. Oh, il a baissé la main, il veut plus parler. Ouvrir, fermer le chat. Choisir un pseudonyme. Couper le micro. Quitter. Couper juste la webcam. Ok. Vous pourriez participer sans webcam, hein. Mais bon, je vais vous dire d'où m'est venue cette idée. Là, je renclenche la webcam. Voilà. Donc, activer, désactiver la vue mosaïque. Les infos. Alors, et regardez, c'est là qui est génial. Accorder la qualité de. Voilà. Audio uniquement, basse définition, moyenne définition, haute définition. Alors, afficher en plein écran. Démarrer la diffusion en direct. Voilà. On peut directement, à partir de Jitsi, hein, de mi-jitsi.si, directement. Envoyer le flux vers YouTube. C'est génial, regardez. Hop. Voilà. À tester tout ça. On peut en commencer l'enregistrement. Voilà. Et ça part vers Dropbox. Je l'ai testé, ça va super. Donc je peux recorder et sauvegarder sur mon cloud Dropbox. Et en même temps, envoyer le flux pour le live sur YouTube. Ouvrir le document partagé. Paramètres. Et partager une vidéo YouTube. C'est génial aussi, regardez bien. Je vais me rendre sur
YouTube. C'est tous des petits outils bien sympathiques. Je vais faire Linux. Voilà, admettons. Trois idées reçues. Je prends le lien. Et je vais dire partager une vidéo YouTube. Je colle, je partage et c'est parti. Pas mal, hein? Et voilà. Comme ça, vous avez vu. Je pense que j'ai fait le tour. Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Ouais. J'ai oublié. Ah si, voilà. Je quitte. Voilà, je vais dire super. Nickel. Vidéo. Nickel. Faible latence. Voilà. Et on soumet. C'est parti, le salon est détruit. Alors, de où ça m'est venu? De où ça m'est venu? Mais ça m'est venu. Je vais vous montrer. De Big Daddy Linux. Voilà. Diffusion directe terminée. Maintenant, eux, ils utilisent, je pense, ils ont déjà utilisé plusieurs outils, mais c'est génial. Il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre. Je pensais que ce n'était que des youtubeurs. Oui, il y a des youtubeurs qui naviguent dans le monde des logiciels libres, hein, anglophones, c'est anglophone, hein, Big Daddy Linux Live. Mais pas que. Il y a même des abonnés, des membres, et ils participent tous ensemble, et ben, ils se tiennent correctement, ils se respectent, donc il y a moyen de faire quelque chose ensemble, je trouve. Regardez, là, par exemple, ils sont une flopée, hein. Voilà de où m'est venue cette idée. Alors si vous voulez installer Jitsi, bonne idée. Si vous voulez installer client Jitsi, on ne sait jamais. Hein. Si je fais logiciel, je pense pas qu'il est dans les dépôts. On va aller voir, je crois pas. Si je fais Jitsi. Je crois que je vais rien trouver. Et ici, si je fais Jitsi, download. Ok, voilà. Ouais, donc il existe un client mobile pour Android iOS et on peut installer un client pour par exemple ici pour Ubuntu, attendez, je regarde. Ah voilà, Debian package, Ubuntu package. Ah oui, voilà, des points deb, ok. Ou alors repository Ubuntu. Voilà, on va tester. Allez, on va tester. Je copie l'instance terminale, donc j'ai plus besoin de logiciel. Je colle, voilà. Blabla. Ok. Je copie. Je colle. Je valide. Alors, on va faire sudo apt y update. On va faire comme ça, sudo apt. Voilà. C'est fait. Je colle.
Et voilà, on devrait avoir un Jitsi. Toujours Discord qui est là actif, vous voyez. Et normalement, si je fais Jitsi, voilà, Jitsi est là. Sur Mubuntu, Jitsi fait partie du package logiciel. Et d'ailleurs, il doit être dans Internet. Voilà, Jitsi. Ok, voilà, sur ce, je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao. Thank you.